la Fundación Global Democracia y Desarrollo, a través de su Centro de Estudios de Geopolítica, les da una cordial bienvenida y agradece la presencia del licenciado Sigfrido Párez Pérez, presente aquí en la sala, director de Migración. Asimismo, le vamos a dar la bienvenida al doctor Maxime Tandonet, quien es el conferencista de esta noche, y también agradece la presencia de todos y cada uno de ustedes aquí en la sala. Maxime Tandonet es diplomado del Instituto de Estudios Políticos de Bordeaux, Francia, y de la Universidad de California, Santa Bárbara, así como de la Escuela Nacional de Administración de Francia. Inició sus estudios en el Ministerio de Asuntos Extranjeros y Europeos de Francia. También ejerció el cargo de subprefecto representante del Estado francés en la localidad de Saint-Jean-de-Maugien. Ha ejercido desde 1996 varias funciones en el Ministerio francés de Interior, como inspector de la Administración y también como encargado de misión para cuestiones europeas e internacionales en la Delegación de Asuntos Internacionales de ese mismo ministerio. Consejero técnico en el Gabinete del Ministerio de Interior y encargado de Migración. Actualmente ocupa el cargo de asesor del presidente Sarkozy para Asuntos Interiores y de Inmigración desde mayo del 2007. Autor de dos libros que tienen que ver con el tema. Uno mereció el premio Lucien Dupont con la temática Inmigración, salir del caos y geopolítica de las migraciones, crisis de las fronteras. Esta noche, en su conferencia magistral, Migraciones, un reto geopolítico mundial, Maxime Tandonet nos expondrá su visión de la problemática de la inmigración actual en el mundo y lo plantea como un gran desafío geopolítico mundial que constituye la presión migratoria en países de acogida. Profesor Tandonet, el auditorio es vuestro. Bien, je voudrais vous remercier très sincèrement pour votre intérêt que manifeste votre présence ici. Je voudrais remercier le président de la République dominicaine pour son accueil exceptionnel. J'ai pu constater les richesses extraordinaires de votre pays. Ces richesses naturelles bien connues, mais aussi aujourd'hui ces richesses culturelles en visitant Saint-Domingue. Et je trouve que votre pays est magnifique et je suis très heureux de le connaître. Je veux également remercier mon ami Aymeric Choprad, grâce auquel je suis ici parmi vous. Je vais donc vous parler d'un sujet dont je m'occupe depuis de nombreuses années. Au ministère de l'Intérieur français et à la présidence de la République depuis 2007 auprès du président Sarkozy. Je crois qu'il faut commencer cet exposé en disant que la pression migratoire dans le monde va s'accroître dans les années à venir. Tout laisse penser que l'immigration est en train de se développer, d'augmenter. Je sais combien la République dominicaine est concernée par ce phénomène et par les migrations en provenance de Haïti, notamment. Mais la République dominicaine n'est pas la seule à connaître ce problème. L'Europe est très touchée également par les phénomènes migratoires, comme vous le savez sûrement. J'y reviendrai dans cet exposé. Quels sont d'abord les facteurs matériels, les facteurs objectifs de l'augmentation de l'immigration? Nous savons que les inégalités internationales sont très fortes et elles le sont de plus en plus. Aujourd'hui, 700 millions d'hommes vivent avec moins de 1 dollar par jour. Le monde compte 185 millions de personnes au chômage.
le produit intérieur brut des 20 pays les plus riches du monde est 140 fois supérieur à celui des 20 pays les plus pauvres du monde. C'est absolument gigantesque. Et ce sont des facteurs matériels qui jouent en faveur de l'immigration, de la hausse des flux migratoires. L'Afrique est le continent qui a le plus gros potentiel migratoire dans le monde. On sait que les trois quarts des 900 millions d'Africains sont âgés de moins de 30 ans. Et 40% d'entre eux sont au chômage. Il naît en Europe 1,4 enfants par femme, alors qu'en Afrique subsaharienne, le taux de fécondité est de 5,4 enfants par femme. Facteurs économiques, facteurs démographiques, facteurs sociaux, on voit que tout est réuni pour l'augmentation de l'immigration. À ces facteurs matériels s'ajoutent les réalités politiques. Les conflits dans le monde sont des facteurs considérables de déclenchement des migrations. On voit bien en Europe aujourd'hui que les foyers d'émigration, de départ vers l'Europe, sont les zones les plus déstabilisées par les guerres. L'Irak, l'Afghanistan notamment. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de fortes migrations des pays africains les plus touchés par les guerres. En réalité, l'instabilité politique, en plus des facteurs matériels dont je parlais, sont déterminants des flux migratoires. Alors je dois dire, en parlant de la République dominicaine et de Haïti, qu'on voit bien aujourd'hui que des catastrophes naturelles gigantesques, comme celle qui a frappé le malheureux pays de Haïti il y a un peu plus d'un an, peut entraîner également de fortes migrations. Vous êtes particulièrement bien placé pour le savoir. Nous sommes dans un monde globalisé, un monde de plus en plus inégalitaire, un monde qui est touché par les catastrophes naturelles, et donc il est inévitable que les migrations dans l'avenir augmentent. D'après un sondage Gallup, qui a été réalisé à l'échelle planétaire entre 2007 et 2009, le potentiel migratoire dans l'avenir, le nombre de personnes qui envisagent d'émigrer, est de 700 millions, c'est-à-dire 16% des personnes âgées de plus de 18 ans dans le monde. D'ailleurs, les calculs des Nations Unies montrent bien qu'aujourd'hui, il y a 200 millions de migrants dans le monde, et que ce nombre de 200 millions va doubler dans les 20 années à venir. Alors il y a un facteur un effet multiplicateur très important qui s'explique par le fait que ce sont toujours les personnes les plus dynamiques, les plus compétentes, les mieux formées qui sont les premières à partir. Ainsi, l'Afrique subsaharienne a perdu un tiers de ses diplômés de l'université. Ce sont des ingénieurs, ce sont des techniciens, des informaticiens, des médecins. Ce sont les premiers à partir parce qu'ils ont leur diplôme, ils ont des relations qui leur permettent de choisir l'exil. La fuite des cerveaux dans les professions médicales est un phénomène particulièrement grave. 40% des médecins d'Afrique subsaharienne sont partis en Europe ou en Amérique. Aujourd'hui, d'après l'OMS, l'Afrique supporte 24% du fardeau des maladies, mais ne possède que 3% des médecins et des infirmières. Alors cet exode, cette fuite des cerveaux, cet exode des compétences, et à mon avis, et d'après de nombreux experts, une des causes majeures de la pauvreté. Donc elle favorise la paupérisation des pays, des États, et donc des personnes qui sont plus diplômées, qui ne sont pas aussi diplômées, mais qui ont besoin de se faire soigner, par exemple, en parlant de la fuite des médecins, prennent aussi le chemin de l'exil.
Donc on a d'abord une fuite des compétences qui est suivie après par une fuite des personnes moins formées mais qui souffrent de la pauvreté et qui s'expatrient parce qu'elles n'ont pas, parfois parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Alors je crois que c'est vraiment un phénomène mental, un phénomène idéologique qui fait partie de la globalisation. Cette volonté de fuir à tout prix dans les jeunes générations des pays pauvres. Aujourd'hui, on voit que sous l'effet de la globalisation, sous l'effet de la mondialisation, sur le plan des mentalités, sur le plan de l'idéologie, une grande partie de la jeunesse des pays pauvres, des pays en difficulté, pense d'abord à s'expatrier. Je dis bien une grande partie, ce n'est pas tout le monde. Le premier réflexe, c'est de vouloir partir, c'est de vouloir choisir l'exil, plutôt que de travailler au développement de son pays. Là, encore une fois, je ne généralise pas. Mais je crois vraiment que cette aspiration à l'émigration, cette volonté de partir, elle s'explique en grande partie par l'individualisme croissant dans les mentalités et par la perte des valeurs patriotiques, des valeurs nationales, et de l'esprit de patriotisme qui incite des gens à partir plutôt qu'à vouloir travailler pour le développement et parfois pour sauver leur pays, dans certains cas les plus dramatiques. C'est pourquoi je crois que l'émigration est un problème, provient de facteurs économiques, mais aussi de facteurs politiques et puis de facteurs mentaux, psychologiques. Alors je dirais que tout cela se traduit par quelque chose qui est très grave, c'est le retour de l'esclavagisme dans le monde. Parce que ce fort potentiel migratoire, ce rêve de partir chez beaucoup de personnes, est exploité par des filières criminelles qui peuvent se présenter aujourd'hui comme de véritables réseaux esclavagistes. On voit des réseaux criminels qui se mettent en place dans beaucoup de pays du monde, en Chine par exemple, en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, probablement en Amérique latine, mais je connais moins bien le sujet. En Chine, on les appelle les têtes de serpent. Et ce terme est tout à fait éloquent, parce que ce sont des réseaux qui se développent sous forme de ramifications dans le monde entier, et qui développe ce trafic d'esclaves, qui est souvent très lié avec le trafic des personnes humaines, avec la prostitution, parfois avec le trafic de drogue. Et je crois que c'est un véritable danger qu'on ne dénonce pas suffisamment aujourd'hui. Le chiffre d'affaires de cette activité est en extension continuelle. Il est de 17 milliards de dollars chaque année. Aujourd'hui, on estime que ces victimes sont au nombre de 25 millions, c'est Interpol, ce sont les chiffres d'Interpol, et plusieurs millions tous les ans de personnes en sont victimes. Aujourd'hui, ce trafic de personnes humaines est beaucoup moins sanctionné que le trafic de drogue. C'est pourquoi on voit de nombreux réseaux qui se spécialisent aujourd'hui dans cette nouvelle forme d'esclavagisme. Alors voilà quels sont les phénomènes qui sont en train de se produire dans les pays de départ. Que se passe-t-il aujourd'hui dans les pays d'accueil, dans les pays de destination? Je dois dire que les gouvernements font face à un grand désarroi, sont touchés par un grand désarroi. Il y a d'abord un dogme qui a beaucoup perturbé les esprits dans le monde occidental, en Europe, mais aussi sur le continent américain, me semble-t-il. Ce dogme, c'est celui d'une immigration qui est source de tous les bienfaits, qu'on voit comme un facteur de progrès uniquement, sans voir les réalités dont je viens de parler, qui sont des réalités parfois dramatiques. Un livre a beaucoup fait parler de lui en France, dans les années 80, qui a beaucoup contribué à forger les esprits en France, mais aussi dans le monde. Ce livre s'appelle « L'immigration est une chance pour la France ». Il a été écrit par un homme politique qui s'appelle M. Bernard Stasi en 1985 et qui a beaucoup marqué les élites françaises.
Ce thème a été beaucoup repris à l'échelon international. Tout le monde a en mémoire la célèbre phrase de M. Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, qui a fait une déclaration au Parlement européen en 2004. L'histoire nous enseigne que les migrations améliorent le sort de ceux qui s'exilent, mais aussi font avancer l'humanité tout entière. Je ne dis pas que tout cela est entièrement faux, bien sûr, mais je dis que l'immigration est une réalité, et comme toutes les réalités, elle a des avantages et des inconvénients, et qu'il faut voir les choses dans leur globalité. Il ne faut pas voir l'immigration comme un dogme. Alors, ce dogme procède de la rencontre entre deux idéologies. D'abord, il y a l'idéologie ultralibérale qui émane du grand patronat international. Alors, pour les personnes qui se reconnaissent dans cette idéologie, il ne faut pas qu'il y ait de frontières, parce que les entreprises doivent pouvoir recruter partout dans le monde, comme elles le veulent, de manière à faire baisser les salaires. Alors, ce qui est tout à fait particulier dans le thème de l'immigration, c'est que, à côté de cette idéologie ultralibérale pour des raisons économiques, il y a l'idéologie droit-de-l'hommiste. Et là, ce sont des milieux complètement différents qui viennent d'autres origines idéologiques. Ce sont des milieux humanistes, ce sont des milieux droit-de-l'hommistes qui considèrent que l'individu a tous les droits, qu'il doit pouvoir faire ce qu'il veut sur la planète, qu'il ne doit pas y avoir de frontières, il ne doit pas y avoir de lois limitant les migrations. L'immigration est un droit, elle est facteur de progrès, et l'État n'a pas de légitimité à légiférer, à réguler les migrations. Alors je cite une phrase, par exemple, « La migration internationale est le principal facteur de transformation du monde dans lequel nous vivons. Nul n'a légitimité pour entraver ce grand mouvement. » Alors c'est tiré d'un livre qui s'appelle « Pour un autre regard sur l'immigration », La découverte en 2008. Alors, à côté de cet argument économique et de cet argument idéologique, humaniste, je dois dire que l'argument démographique a été très souvent mis en avant pour favoriser l'immigration. Il y a un célèbre rapport des Nations Unies du 21 mars 2000, que je recommande vraiment à la lecture parce que c'est absolument passionnant, qui explique que l'Europe a un grave problème de taux de fécondité. Le taux de fécondité moyen en Europe est de 1,5 enfants par femme. Donc, le renouvellement des générations n'est pas assuré en Europe. Et ce rapport, qui fait de la prospective à long terme, explique que si l'Europe veut s'en sortir, elle doit accueillir 2,4 milliards, je dis bien milliards, de migrants d'ici 2050. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie une disparition pure et simple du peuplement actuel de l'Europe. 2,4 milliards, c'est absolument gigantesque, alors que l'Europe a aujourd'hui 400 millions d'habitants. Alors, voyez, ce qui est caractéristique de ce rapport, c'est qu'il parle de choses qui sont vraies, qui sont réelles, le problème démographique de l'Europe, mais il ne fournit qu'une solution, c'est l'immigration massive, et ne parle pas des autres solutions éventuelles, notamment la politique de la natalité, la politique de la fécondité, qui est quelque chose d'absolument tabou en Europe aujourd'hui. On ne parle pas de favoriser les naissances, on ne parle pas de favoriser la natalité, parce que c'est un sujet qui est considéré comme inadmissible par l'idéologie dominante dont je parlais tout à l'heure. Alors, que peuvent faire les pays européens aujourd'hui ? Que peuvent faire les pays d'accueil de l'immigration ? D'abord, je voudrais donner quelques chiffres pour dire que l'Europe n'est pas une forteresse, contrairement à ce que disent tous les milieux libéraux dont je parlais tout à l'heure. Au contraire, on accuse beaucoup l'Europe de se fermer aux migrations, on accuse beaucoup l'Europe d'être une forteresse, mais c'est tout à fait le contraire. Je dois dire que c'est un mythe absolument mensonger.
le thème de l'Europe forteresse. Aujourd'hui, l'Europe est plus ouverte que le continent nord-américain. D'après les statistiques de la Commission européenne, chaque année, 1,6 million de personnes sont accueillies en Europe à des fins d'immigration. Je ne parle pas à des fins de passage touristique, ça c'est plusieurs centaines de millions de personnes. Mais le nombre de personnes qui viennent s'installer en Europe, c'est 1,6 million tous les ans. 16,2 millions de migrants non européens vivaient en Europe en 2003, résidaient en Europe en 2003. Aujourd'hui, on est à 19 millions de migrants non européens. On voit donc bien que l'Europe est un continent fondamentalement ouvert. La France est également un pays très ouvert. Chaque année, environ 200 000 personnes viennent s'installer en France, 200 000 migrants non européens, et 40 000 demandeurs d'asile. Donc on voit qu'on a une fourchette de 200 000 à 240 000 migrants tous les ans en France. 150 000 personnes obtiennent la nationalité française tous les ans. Quant aux migrants en situation irrégulière, il y en a beaucoup aussi, puisque leur nombre est estimé à 2 à 3 millions en Europe occidentale. En France, le nombre de migrants illégaux est d'environ, est d'au moins 200 000. C'est le nombre de personnes qui bénéficient de l'aide médicale d'État. Parce qu'il faut répondre aussi à toutes les personnes qui reprochent à la France de ne pas être généreuse avec les migrants, que même les migrants en situation irrégulière, qui n'ont pas le droit de s'installer en France, qui n'ont pas le droit d'y vivre, ont droit à la sécurité sociale, ont droit à l'hébergement, ont droit à toute une série de droits sociaux, de prestations sociales. Les enfants de migrants illégaux ont le droit à la scolarité, ça c'est vrai pour toute l'Europe, mais on voit qu'il y a quand même un régime très privilégié pour des migrants, même en situation irrégulière. Alors je dirais que le cas de l'Europe est en réalité assez proche de celui de la République dominicaine, en termes de statistiques de l'immigration, puisque j'ai appris aujourd'hui même que la République dominicaine accueillait un nombre de migrants de Haïti qui est beaucoup plus fort que ce que je croyais savoir auparavant, que ce que j'avais pu comprendre dans les rapports qui me sont fournis, qui m'ont été fournis en Europe, puisque les chiffres que j'ai appris aujourd'hui sont de 1,6 million de migrants réguliers en provenance de Haïti et 700 000 migrants irréguliers, toujours majoritairement haïtiens. Moi, je pense que ce sont des chiffres considérables par rapport à la République, à la population de la République dominicaine. Ce sont des chiffres qui sont assez proches de ce qu'on a en Europe, mais on voit, en termes de rapport par rapport à la population. Mais on voit bien que la République dominicaine est dans une réalité qui est assez proche de celle de l'Europe occidentale à cet égard. Je crois que la République dominicaine fait un gros effort d'accueil des migrants, et c'est tout à son honneur. Je crois que ça fait partie de la réalité et qu'il faut... C'est un véritable problème politique qu'il faut traiter, et j'y reviendrai dans mon exposé. Mais je pense que c'est intéressant parce que les solutions qu'on essaye de mettre en place en Europe seraient certainement valables en grande partie pour la République dominicaine. Je crois que le fond du problème, quand on parle d'immigration, c'est qu'aucun pays au monde ne peut se permettre de recevoir un nombre de migrants qui excède sa capacité d'accueil. Alors, sa capacité d'accueil, qu'est-ce que c'est? C'est la situation de son marché de l'emploi. Quand je parle d'emploi, c'est un emploi régulier. Moi, je n'accepte pas l'emploi clandestin, je trouve que c'est un scandale. Mais quand je parle d'emploi régulier, c'est un emploi reconnu légalement par les lois du pays. Alors cela pose d'énormes problèmes, parce qu'en France, par exemple, le taux de chômage des étrangers non européens est de 25%, ce qui est considérable. Le taux de chômage des étrangers dans l'Union européenne est de 20%. Donc on voit bien qu'on ne peut pas accueillir tout le monde en Europe. On voit bien qu'une grande partie des personnes qui sont accueillies risquent d'être au chômage. On a déjà un taux de chômage des étrangers qui est très fort.
De même, en France, nous manquons de logements sociaux. Le nombre de logements sociaux qui sont demandés, et la pénurie de logements sociaux est de 1 million d'appartements. Et il est clair qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Laisser entrer une personne, quand on sait qu'on n'a pas d'emploi régulier, d'emploi légal à lui proposer, qu'on n'a pas de logement à lui proposer, ce n'est pas du tout généreux. C'est une fausse générosité. C'est une générosité mensongère. Permettre à des migrants de s'installer quand on n'a pas de travail pour eux, pas d'appartement digne d'accueillir sa famille, c'est tout à fait irresponsable, ce n'est pas généreux. Je parle pour la France, mais je crois que d'autres pays peuvent dire la même chose. Quand on accueille des gens sans leur donner de travail, sans leur donner d'emploi, sans leur donner d'appartement, on favorise l'exclusion, on favorise le chômage, la frustration et parfois la révolte. Et pour la stabilité d'une société, ce n'est pas forcément très bien. Vous le savez peut-être, nous avons connu en 2005 et en 2007 un certain nombre d'émeutes dans les banlieues françaises. Et ça, c'est le fruit de plusieurs décennies, depuis les années 60, de migrants qu'on a laissés s'installer en France, sans leur permettre de travailler dans des conditions correctes. On a eu un très fort chômage en France dans les années 70, qui a fait que beaucoup de migrants se sont retrouvés sans emploi, sans leur permettre de vivre dans des appartements convenables. Donc il y a eu des phénomènes de ghettoisation des populations immigrées très forts dans certaines banlieues françaises, dans certaines banlieues européennes, parce que c'est la même chose ailleurs en Europe. Et tout ça, le président Sarkozy, enfin lorsqu'il était ministre de l'Intérieur à partir de 2002 et aujourd'hui, on a voulu mettre fin à cette situation. C'est l'un des grands objectifs de notre politique de l'immigration, qui a été beaucoup caricaturée. Mais depuis 2002, on veut mettre en place une politique qui a deux objectifs. D'abord, on est ouvert à l'immigration régulière. La France est un pays ouvert. On accueille les migrants quand ils peuvent avoir un travail, quand ils auront un travail en France, et quand ils seront logés dans de bonnes conditions. On veut que chaque migrant ait un appartement assez grand pour faire venir sa famille. Depuis 2003, les lois que nous avons fait voter ont cet objectif. Je dois dire que avant 2002, la loi française permettait d'accueillir dans un appartement de 25 mètres carrés une famille de 7 enfants. Vous voyez ce que ça représente? Aujourd'hui, nous exigeons les mêmes normes d'appartement, les mêmes normes de logement pour une famille étrangère que pour une famille française. C'est-à-dire que pour une personne qui veut venir avec ses 5 enfants, il faut qu'elle ait un appartement d'au moins 125 mètres carrés. Sinon, elle n'est pas autorisée à rentrer en France. De même, nous obligeons les gens à apprendre la langue française avant de venir. Ça, c'est la loi de 2007. Nous sommes beaucoup plus exigeants. Nous voulons, alors ce qu'on a appelé l'immigration choisie, c'est tout à fait cela. Il faut que les gens qui viennent en France puissent travailler et puissent avoir un logement convenable. Alors on nous a beaucoup critiqués. On a diabolisé le gouvernement, tous ces milieux associatifs, tous ces milieux de défense des immigrés qui sont très puissants, qui ont de véritables réseaux en France. Nous ont beaucoup critiqués, ont beaucoup caricaturé la politique du président Sarkozy. Le terme immigration choisie a donné lieu à de nombreuses caricatures, mais c'est simplement ce que je viens de vous dire qu'on a voulu mettre en place, et nous en sommes très fiers. C'est une politique qui fonctionne bien, et je crois que c'est un choix politique très fort qui a été fait. Et aujourd'hui, nous essayons de corriger des erreurs qui ont été faites pendant trop longtemps. On a trop fermé les yeux sur la question des flux migratoires, sur la question de l'intégration. Et alors, cette politique portera ses fruits, mais cela prendra du temps, bien entendu. Alors, je voudrais revenir sur la question de l'identité. J'ai parlé des facteurs matériels de l'immigration, mais il y a un autre sujet, c'est celui de l'identité. L'augmentation des phénomènes migratoires dans le monde a favorisé l'émergence de sociétés multiculturelles.
Un rapport des Nations Unies de 2004, plus exactement le rapport mondial sur le développement humain du PNUD en 2004, a montré que aujourd'hui, il y a 200 pays dans le monde et près de 5000 groupes ethniques. Et les deux tiers de ces 200 pays ont une minorité ethnique, un groupe ethnique ou religieux, qui représente au moins 10% de sa population. La plupart des sociétés sont aujourd'hui multiculturelles. Alors le terme de multiculturel a une valeur très positive en Europe. Cependant, les faits montrent, la réalité montre, que la coexistence de groupes d'origine différente n'est pas toujours aussi harmonieuse, aussi parfaite que ce que l'on veut dire. Et cela pour une raison très simple, c'est que quand les hommes changent de pays, ce n'est pas du tout comme les marchandises ou comme les capitaux, ou comme les matières premières, ou comme l'argent. Les personnes apportent avec elles leur culture, leur tradition, leur langue. Et donc, les sociétés multiculturelles qui proviennent des phénomènes migratoires ne sont pas toujours aussi simples et aussi harmonieuses que ce que l'on veut dire. Ces phénomènes posent parfois des problèmes complexes. Souvent, pas toujours, mais souvent, la coexistence sur un même espace de populations de cultures différentes se traduit par des conflits, par des antagonismes. Nous avons un ouvrage très intéressant qui vient de paraître en France et qui supprime le tabou à cet égard, qui met fin au tabou. Il a été écrit par un chercheur qui s'appelle Monsieur Hugues Lagrange. C'est un ouvrage sociologique qui porte sur une étude sur 4500 personnes vivant dans le même quartier et qui montre que les Français d'origine française, les nationaux, les jeunes d'origine française sont impliqués dans des actes de délinquance dans 4% des cas. Alors que pour certaines nationalités, que je ne nommerai pas, parce que ce serait incorrect de les nommer dans cette assemblée, mais les chiffres peuvent être de 16 à 20%. Donc on voit bien que l'immigration, dans certains cas, peuvent être des facteurs de délinquance, de violence. Alors je ne dis pas que c'est toujours le cas, bien sûr, mais ça peut être le cas lorsque les phénomènes d'assimilation, d'intégration ne se réalisent pas correctement. Alors plusieurs livres ont parlé de ce phénomène. On a un livre très célèbre de Samuel Huntington, c'est un chercheur américain, un philosophe américain, qui s'appelle « Who are we ?» et qui montre que ces problèmes d'identité sont très forts aux États-Unis, où sous l'impact des flux migratoires, les Américains se demandent « Mais qui sommes-nous ? Quelle est la composition de notre société ? Qui sommes-nous et qui allons-nous devenir ?» Il y a un autre ouvrage très intéressant qui est paru récemment, de Christopher Caldwell, un journaliste anglo-américain, qui s'appelle « Réflexion sur la révolution en Europe ». Et le sous-titre est très éloquent. « L'Europe peut-elle rester la même avec un peuple différent ?» Ces ouvrages posent donc la question de l'identité. Dans quelle mesure les phénomènes migratoires remettent en cause l'identité, la personnalité d'un pays. Un autre livre vient de paraître, qui fait scandale en Allemagne. Il est intitulé « L'Allemagne va à sa perte ». Et il s'inquiète de la montée de l'islam turc en Allemagne. D'ailleurs, un sondage très récent vient de paraître en Europe, qui porte sur la perception des Européens vis-à-vis de l'islam et qui montre que 42% des Français et 42% aussi des Allemands, il est rare que les sondages coïncident aussi bien,
estime que les populations musulmanes ne sont pas suffisamment intégrées. Alors cette sensibilité est liée en grande partie à la manifestation de phénomènes fondamentalistes dans certains milieux musulmans radicaux. Alors c'est le problème de la burqa qui a beaucoup fait parler de lui en France, donc c'est la question des femmes complètement voilées, qui sont de plus en plus nombreuses en Europe, même si elles restent une infime minorité. C'est le problème aussi des prêches dans certaines mosquées qui appellent au djihad, qui appellent qui tiennent parfois des propos anti-occidentaux, hostiles aux femmes, hostiles aux juifs. Ce sont des choses qu'on entend dans certaines mosquées salafistes. Je n'interviendrai pas, n'approfondirai pas ce sujet, mais on voit aujourd'hui en Europe beaucoup de milieux issus des milieux musulmans radicaux. Alors je ne parle surtout pas de tous les musulmans, bien sûr, je parle des musulmans radicaux, qui sont une minorité influente, et qui aujourd'hui remettent en cause le principe d'égalité entre la femme et les hommes. Ça, c'est très grave pour l'Europe. Alors quand je parlais quand je parlais de la ressemblance entre les problèmes qui se posent en République dominicaine et en Europe aujourd'hui, il y a aussi des différences, cette question de l'islam, qui est propre à l'Europe aujourd'hui. Alors que peuvent faire les États? Je vais parler maintenant des politiques migratoires. Moi, je pense que le terme qui définit le mieux la politique qui doit être menée aujourd'hui, c'est la solution de l'immigration maîtrisée, de l'immigration régulée. L'immigration maîtrisée, c'est la seule politique raisonnable possible aujourd'hui. Dans un monde moderne, ouvert, avec les moyens de communication, aucun pays ne peut se fermer complètement à l'apport des populations étrangères. On a besoin de populations étrangères pour certains métiers, pour l'exercice de certains métiers. On ne peut pas faire autrement. L'immigration zéro, ça n'existe pas, ce n'est pas concevable, ce n'est pas réaliste. En revanche, il est de la responsabilité de chaque gouvernement de décider, à travers sa politique de l'immigration, le nombre de migrants qu'il est prêt à accueillir, qu'il a les capacités d'accueillir. Je reviens aux capacités d'accueil que j'évoquais tout à l'heure. C'est chaque gouvernement qui doit dire, cette année, je peux accueillir 50 000 migrants, 100 000 migrants, parce que mon marché du travail le permet, parce que mon marché du logement le permet, parce que ma population est prête à accueillir ce flux de nouveaux arrivants. D'où la nécessité de règles du jeu claires. Chaque pays doit avoir une loi sur l'immigration qui soit claire. On peut s'installer chez moi, on peut résider chez moi dans telle ou telle condition, mais il y a des règles et ces règles doivent être respectées. Ça s'appelle la souveraineté, tout simplement. Un pays est souverain, un gouvernement doit pouvoir décider qui l'accueille et dans quelles conditions. C'est pourquoi il est tout à fait indispensable de combattre l'immigration illégale. Quand on dit qu'on veut lutter contre l'immigration illégale, ce n'est pas pour le plaisir d'être ferme ou d'être rigoureux. Ce n'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'il faut le faire dans l'intérêt du pays. Il faut une fermeté dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Tout État a le droit de disposer de frontières et de les faire respecter. Un migrant qui entre illégalement dans un pays doit savoir qu'il devra repartir. Avec toute l'humanité nécessaire, il ne s'agit pas d'être inhumain, il s'agit d'être humain, de respecter les valeurs fondamentales de notre civilisation commune, mais il faut faire respecter nos lois. Alors il faut être réaliste, bien entendu aussi.
Je ne dis absolument pas que dans un pays qui a un grand nombre de migrants illégaux, on va devoir renvoyer tout le monde d'un seul coup, c'est inconcevable. Mais à l'avenir, les migrants qui entrent illégalement doivent savoir qu'ils ne seront pas régularisés, ils devront repartir. Ça, c'est vrai, c'est vrai pour tous les pays. Les pays africains eux-mêmes connaissent des migrations internes qui sont considérables. En France, on nous reproche d'éloigner, de renvoyer dans leur pays 30 000 migrants tous les ans. Mais savez-vous que l'Afrique du Sud, par exemple, qui est considérée comme un modèle de société accueillante, c'est la nation arc-en-ciel, c'est un pays qui a une tradition de générosité, mais l'Afrique du Sud expulse 200 000 migrants tous les ans, ce qui est considérable par rapport à sa population. Mais l'Afrique du Sud ne peut pas faire autrement. Si l'Afrique du Sud arrête d'expulser, en 10 ans, elle n'existera plus, elle sera complètement submergée par ses voisins. Donc je crois qu'un pays doit avoir des frontières et doit les faire respecter. De même, il est de la responsabilité des employeurs de mettre fin aux pratiques scandaleuses du travail clandestin de migrants en situation irrégulière. On sait dans notre pays, en France par exemple, que plusieurs centaines de migrants sont exploités parce qu'ils sont en situation régulière. Ils touchent un salaire qui est la moitié moindre que le salaire minimum de tous les salariés. Ils ne bénéficient d'aucune protection sociale. Pour les patrons, c'est un coût du travail qui est un tiers de celui d'un travailleur français ou d'un travailleur étranger en situation régulière. Alors ça, évidemment, ça revient à l'esclavagisme dont je parlais tout à l'heure. Mais je crois que c'est vrai aussi pour la République dominicaine, c'est vrai pour les pays européens, c'est vrai sûrement aux États-Unis. Il ne faut pas tolérer ce type de pratique si on veut lutter contre l'immigration irrégulière. Alors je crois que quand on veut protéger sa frontière, il faut aussi s'en donner les moyens, il faut aussi utiliser sans complexe les technologies nécessaires. En Europe, des pays comme l'Espagne ou comme l'Italie utilisent des dispositifs de surveillance électronique des frontières, avec des hélicoptères, avec des moyens informatiques, des radars, des vedettes, des bateaux adaptés pour le contrôle de la Méditerranée. Nous avons mis en Europe en place une police européenne des frontières qui s'appelle Frontex et qui aide les États à surveiller leurs propres frontières. Entre la Pologne et l'Ukraine, il y a un système de contrôle électronique des frontières qui a été mis en place. Les Allemands ont beaucoup aidé les Polonais à s'adapter. Il y a des hélicoptères, encore une fois, des radars, des systèmes de pylônes pour surveiller les passages possibles. Vous voyez, on n'a pas de complexe. Actuellement, on sait que l'une des grandes failles de la frontière européenne, c'est le passage entre la Turquie et la Grèce. Et aujourd'hui, l'Europe aide la Grèce à mettre en place une protection électronique de sa frontière, avec encore une fois, comme l'Espagne l'a fait, un système de radar très performant, un système de patrouille active par la mer ou de patrouille terrestre, avec des véhicules très performants, pour permettre d'avoir une surveillance efficace de la frontière. Je crois que la République dominicaine n'a aucun complexe à avoir pour la protection de sa frontière. Alors je parlais jusqu'à présent de la protection du flux migratoire, de la protection contre les flux migratoires. Maintenant, il faut parler de la manière dont on doit gérer les migrants tels qu'ils sont, les communautés immigrées, telles qu'elles se trouvent à l'intérieur des frontières. Et là, je crois qu'il y a un principe très important, qui est le principe d'assimilation. Il faut bien comprendre que les migrants qui choisissent de vivre dans un pays doivent accepter ses traditions, ses valeurs, ses principes. Je parlais tout à l'heure des personnes qui remettent en cause le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est une valeur absolument fondamentale que les femmes puissent se promener dans la rue sans être voilées.
puissent vivre en toute égalité dans l'accès au travail et dans la vie quotidienne avec les hommes, il est inadmissible que ce principe d'égalité entre les hommes et les femmes puisse être mis en cause. Et une personne qui vit en Europe doit choisir, si elle estime que la femme n'est pas l'égale des hommes, bien ça c'est inacceptable sur le sol européen, il faut que cette personne reparte dans son pays, on ne peut pas l'accepter en Europe. C'est un exemple, c'est un exemple qui pourrait être développé dans d'autres domaines. Les personnes qui remettent, je pourrais parler aussi de la polygamie. Une personne qui estime que la polygamie doit être un mode de vie acceptable n'a pas sa place sur le continent européen, n'a pas sa place en France. C'est pourquoi je dis qu'il y a certaines valeurs fondamentales que les migrants doivent accepter, c'est tout simple. Et ça s'appelle l'assimilation, le principe d'assimilation. Dans les politiques européennes, nous prenons en compte cet impératif et nous venons de créer en France, comme dans d'autres pays européens, l'Allemagne, les Pays-Bas, ce qu'on appelle les contrats d'accueil et d'intégration. L'étranger qui arrive en Europe, qui arrive en France, doit signer un contrat par lequel il s'engage à respecter les valeurs fondamentales du pays où il s'installe. Et en contrepartie, on l'aide à s'intégrer en lui fournissant des leçons de français, un apprentissage à la langue nationale, une formation en instruction civique. Alors aujourd'hui, nous essayons de travailler ensemble, d'harmoniser nos politiques au niveau de l'Europe occidentale. Et à l'initiative de la France, tous les pays, les 27 pays de l'Union européenne, ont signé un pacte européen pour l'immigration à la fin de l'année 2008. Et dans ce pacte européen pour l'immigration, tous les pays se sont engagés, par exemple, à refuser les régularisations massives de migrants en situation irrégulière. Parce que certains pays européens avaient pris l'habitude de régulariser systématiquement les migrants illégaux qui venaient s'installer en Europe. Ce qui créait un véritable appel d'air, les migrants sachant qu'ils auront des papiers, ils venaient massivement, plusieurs millions venaient s'installer en Europe. Et là, à travers ce pacte européen pour l'immigration, c'est fini, on ne régularise plus. On dit aux migrants illégaux, si vous venez vous installer clandestinement en Europe, ben vous devrez repartir, soit volontairement, soit vous serez reconduit à la frontière. Donc c'est un pacte pour la fermeté dans l'immigration irrégulière. Alors j'avais préparé quelques éléments concernant la situation de la République dominicaine, mais j'en ai beaucoup parlé au fil de mon exposé. Donc je pourrais parler pendant des heures et des heures de ce sujet, mais je vous ai dit l'essentiel. Je pense qu'il est plus intéressant peut-être d'ouvrir la discussion pour que d'autres personnes puissent s'exprimer sur le sujet et éventuellement pour répondre à vos questions ou à vos interrogations à la suite de mon exposé. Voilà, je vous remercie.